Et salut les amis, on se retrouve voilà sur Infinite Warfare pour le test du rack 9 canon rayé, canon lisse, voilà, rack 9 canon lisse, donc voilà, science épique. Donc voilà, c'est un fusil à pompe. Franchement, est-ce qu'il est génial? Non. Une grosse bouse qu'ils ont chié dessus, franchement, je vous le dis clairement, cette version épique, c'est trop de la merde. Vous pourrez l'essayer par vous-même si vous l'avez, et si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais franchement, ce pompe-là, mais c'est une pure merde. C'est une pure merde. J'ai jamais vu un pompe comme ça. Franchement, c'est une merde qu'ils ont chié. C'est voilà. Je vous explique même pas en détail. Franchement, non, il est affreux. Il est affreux. Il est affreux. Donc, je voulais un conseil pour vous faire des kills avec ce pompe-là. Voilà. Il faut que vous visez. Si vous visez pas, vous êtes dans la merde. Voilà, tout simplement. Il a rien dans le sac. Regardez, regardez ça, regardez ça. Là, j'ai eu kill parce que j'ai mis mon spécialiste. Mais sinon, je l'aurais pas eu. Je serais mort. Alors, donc, hitmarker sur hitmarker, à sans viser, c'est une merde. C'est une grosse merde. Totalement, je vous dis clairement. Moi, je vais vous montrer là de suite une classe à moi. Franchement, cette classe-là que j'ai réussi à avoir, que j'ai faite moi-même, elle est géniale. Regardez ça en image. Voilà, donc là c'est une version que j'ai faite pour jouer aux pompes, parce que j'en avais marre, j'adore jouer aux pompes, voilà. Et donc ce pompe là c'est la variante rare, c'est la frappe de précision, je crois que c'est ça. Donc voilà, cette variante là, c'est la variante rare, la version bleue là, frappe de précision. Donc là qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis alors tir intelligent c'est un viseur qui vous permet de... Il y a plein de petits viseurs au milieu. Et dès que l'ennemi est à côté, paf, ça va jeter les balles en fait dessus. Donc voilà, c'est un petit système. Mais franchement, oh là là, quelle tuerie cette classe-là. Donc j'avais mis tir intelligent, poignée ergo, chargeur grand cap et canon rayé. Voilà, dessus et tir intelligent. Donc franchement, une tuerie. C'est une tuerie cette classe-là. Je peux vous la conseiller pour jouer aux pompes. C'est pour ça que je vous montre là, parce que franchement, la version épique, c'est trop de la merde. Donc voilà, je vous montre cette classe-là. Après, tout dépend de la variante que vous avez, ça marche autant bien avec. Bon, j'ai juste cette classe-là, parce que voilà, hein, j'avais cette variante-là. Mais franchement, par contre, le tir intelligent, vous pouvez pas le mettre sur le version épique. Pourquoi, je ne sais pas. Comme vous pouvez voir, regardez ça, il est très efficace. Hein. Paf, hop! Et le pompe ça one shot, donc dans la logique ça one shot. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans la vidéo. Mettez un petit like, c'est la récompense de la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour. Je te dis à la prochaine, salut les amis, ciao, à la prochaine.